Le Panthéon, c'est ce massif au cœur de Paris, un monument gigantesque qui domine tout Paris et que l'on peut voir de partout. C'est aussi un monument construit pour être une église qui, à la Révolution, se transforme en Panthéon et qui changera de statut tout au long du XIXe siècle pour, à la mort de Victor Hugo, devenir finalement Panthéon, Panthéon des grands hommes. Alors c'est un grand homme avec un H majuscule, puisque derrière le mot grand homme, il y a des femmes et des hommes. La première des femmes à entrer est Marie Curie. La définition d'un grand homme, c'est quelqu'un qui se bat pour l'engagement, qui se bat pour les autres, qui se bat pour la République. L'idée n'est pas la valeur seulement d'un homme, c'est pas la relique qui nous intéresse, c'est vraiment l'engagement de cette personnalité pour le monument. Les dernières personnalités à être entrées au Panthéon sont Simone Veil pour son engagement européen, son engagement pour les femmes, Maurice Genevoix pour son engagement pour la mémoire de la Première Guerre mondiale. On a l'habitude de dire que le Panthéon représente les valeurs que la République souhaite honorer. Et quand on vient visiter le monument, on voit l'ensemble des valeurs représentées par Hugo, Jaurès, Zola, Voltaire, Marie Curie, qui tous se sont engagés pour des raisons différentes, sur des valeurs différentes, et qui forment le socle des valeurs de la République.